Je viens de finir le tournage du tuto FUT, mais j'ai oublié d'appuyer sur REC. Donc je suis obligé de tout refaire. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce premier tuto de la saison. Et oui, et c'est pas sur PES, ça fait 7 ans que je fais des tutos sur PES, mais cette année, le premier tuto de la saison, c'est sur FIFA 22. Et on va parler de FUT. Vous êtes, je pense, nombreux à migrer de PES à FIFA. Et si vous avez envie de jouer à FUT, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir clair parce qu'effectivement, le mode FUT, en termes de contenu, il est absolument gargantuesque par rapport à MyClub. Et on se rend compte que MyClub est un mode de jeu rachitique avec très peu de contenu. Là, sur FUT, il y en a tellement qu'on risque d'être un petit peu perdu. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Mais avant de commencer cette vidéo, c'est l'application OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball, de toute façon, c'est la meilleure application pour suivre l'actualité du football. Et j'adore regarder des matchs de Ligue 1 sur Amazon Prime avec l'application OneFootball à côté de moi, puisque je peux voir les stats en temps réel, je peux voter pour l'homme du match pendant le match, c'est très sympa. Si vous comptez la télécharger, merci de le faire à partir du lien que j'ai mis en description. Vous me soutenez, vous soutenez la chaîne, merci beaucoup. Tout le monde est content. Allez, on y va pour ce premier tuto de la saison sur FUT. Donc dans FIFA Ultimate Team, vous avez un club. Vous gérez un club. Et dans ce club, vous allez pouvoir créer votre équipe de rêve ou vos équipes de rêve, puisque vous pouvez avoir plusieurs équipes comme dans MyClub. Vous pouvez par exemple avoir plusieurs équipes à thème, une de Ligue 1, une avec que des Français, une de Première Ligue, etc. etc. L'objectif de ce mode de jeu, c'est de créer votre équipe ou vos équipes ultimes et d'affronter les équipes des autres joueurs. Mais vous pouvez aussi affronter les équipes des autres joueurs face à l'IA. Attention, le mode FIFA Ultimate Team n'est pas qu'un mode de jeu online. On peut aussi uniquement jouer face à l'IA si on le souhaite. Plus vous allez jouer, plus vous allez gagner des crédits et plus vous allez pouvoir renforcer votre ou vos équipes. Alors dans le jeu, il y a deux monnaies virtuelles, les crédits et les points FIFA. Les crédits se gagnent tout au long de la progression de vos équipes dans le jeu. Et les points FIFA ne peuvent s'acheter qu'avec votre argent réel. Il y a deux moyens de renforcer votre équipe, soit par le marché des transferts, vous pouvez acheter n'importe quel joueur sur le marché des transferts, soit avec des packs que vous pouvez soit acheter avec votre argent réel, soit acheter avec des crédits, soit gagner quand vous montez de division ou quand vous réussissez des défis. Si vous ne voulez pas dépenser votre argent réel dans FUT, vous pouvez vous constituer de très belles équipes sans mettre un centime. Et ça, cette sensation-là, je pense qu'elle est vraiment présente dans FIFA 22. Dans FIFA 22, on peut vraiment constituer de très belles équipes en mettant pas un centime. Quand on dit que dans FUT, on doit dépenser plusieurs SMIC pour avoir une très belle équipe, c'est faux. C'est faux, ça a changé et je pense que ça a beaucoup changé sur FIFA 22. Vous pouvez vous constituer une très très belle équipe de Ligue 1 avec que des joueurs rares et que des joueurs or, c'est ce que j'ai fait, sans mettre un centime et ça c'est vrai que c'est appréciable. Comment gagner des crédits, la monnaie principale du jeu? C'est assez simple. Il faut jouer. L'idéal, c'est de gagner, puisque quand vous gagnez des matchs, vous gagnez plus de crédits que si vous perdez des matchs, ça paraît logique. Il faut aussi réussir des défis hebdomadaires et mensuels. Vous avez des défis tous les jours et des défis tous les mois. Essayez de les atteindre, vous gagnerez des crédits. Vous pouvez, pour gagner des crédits, vendre des joueurs de votre effectif sur le marché de transfert, tout simplement. Et pour gagner des crédits, vous pouvez aussi compléter les défis de création d'équipe. En gros, pour gagner des crédits, il faut jouer. Une fois que vous avez créé votre équipe, faites très attention à l'entente entre les joueurs. En fait, il faut créer des équipes à thème dans FIFA. L'entente est très importante et il faut créer un collectif à 100 points. Si vous n'êtes pas à 100 points, c'est pas l'idéal. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir des équipes avec 100 de collectif, toutes vos équipes. Donc, pour avoir une entente d'équipe parfaite ou une très bonne entente entre les joueurs, il faut des points communs entre les joueurs. Et ces points communs, c'est soit ils jouent dans le même club, soit ils jouent dans le même championnat, soit ils ont la même nationalité.
Donc je vous conseille de faire des équipes par exemple avec que des Français, que des Brésiliens, ou une équipe avec que des joueurs de Première Ligue, ou une équipe avec que des joueurs de Bundesliga, mais faites des équipes à thème pour avoir une entente parfaite. C'est très important, la note collective doit être à 100 pour que les joueurs se retrouvent sur le terrain, soient bien placés, et plus les liens seront forts entre les joueurs, et plus leurs attributs vont être élevés. Parce qu'en effet, chaque joueur dispose d'une note en collectif. Si cette note est de 10, la note maximale, les attributs du joueur vont augmenter, ils vont avoir des bonus. Si cette note en collectif est à 0, les attributs vont rester de base. Un autre truc très important, une fois que vous avez choisi votre dispositif tactique, par exemple moi je joue en 4-4-2 à plat, choisissez des joueurs dans leur poste de prédilection. C'est très important ça. Je vous donne un exemple. Je joue en 4-4-2 à plat. J'ai recruté Jonathan Klaus de Lens. Il n'est pas défenseur droit, il est latéral droit. C'est différent, c'est pas le même poste. Il est DLD au lieu d'être DD. Et donc, il ne correspond pas parfaitement au poste de DD. Deux solutions, soit je le vends, soit j'essaie d'avoir dans le marché des transferts une carte qui modifie le poste de DLD à DD. Parce que oui, dans le marché des transferts, il n'y a pas que des joueurs. Il y a plein de choses. Des choses pour personnaliser votre club. Par exemple, une musique quand vous marquez des buts. Par exemple, des tifos particuliers. Par exemple, des contrats, des cartes de contrat. Par exemple, des cartes de blessure si votre joueur se blesse. Il y a plein de choses, de consommables en fait dans le marché des transferts qui sont très utiles pour vos clubs. Donc par exemple, si vous avez un DLD et que dans votre tactique, il n'y a que des DD, que un DD, je vous conseille de modifier son poste avec une carte consommable dédiée. Un autre truc que vous allez gérer, ce sont les contrats des joueurs. Chaque joueur que vous allez acheter pour vos effectifs auront un nombre de contrats que vous pouvez renouveler ou pas avec une carte consommable dédiée. Il y a des cartes consommables qui sont dédiées que au renouvellement des contrats des joueurs, plus ou moins longs. Donc ça aussi, vous allez devoir gérer la gestion des contrats. Donc si vous avez envie de conserver des joueurs dans votre effectif dans le temps, vous allez devoir de temps en temps renouveler son contrat. Les joueurs sont représentés par des cartes et il y a 4 types de cartes, 4 grandes familles de cartes qui sont classées par rapport à leur niveau de jeu, mais aussi par rapport à leur rareté. Vous avez les cartes bronze, argent, or et spéciaux. Les cartes spéciales en fait sont les plus chères, elles sont même très chères sur le marché des transferts. Ça peut être par exemple un joueur qui peut être dans l'équipe de la semaine de Ligue 1, il va avoir une carte spéciale que vous pouvez acheter dans le marché des transferts mais qui va être très chère en termes de crédit. Donc vous avez le marché des transferts, donc c'est un endroit très important dans FUT puisque comme je vous disais, vous allez pouvoir acheter tous les éléments de personnalisation de votre club, tous les joueurs, des entraîneurs, le logo de votre club, le maillot de votre club, le ballon de votre club, les tifos, etc. Il y a tout dans le marché des transferts et le système de filtre est très intéressant. Si vous voulez par exemple un joueur de Bundesliga qui soit pas trop cher, et bien vous pouvez filtrer le prix et filtrer la ligue pour n'avoir que des joueurs de Bundesliga pas cher. Donc les filtres sont très bons et vous pouvez cibler les éléments que vous souhaitez pour votre club très facilement. Pour pouvoir acheter des cartes, que ce soit des consommables, des joueurs, des entraîneurs, etc., peu importe, dans le marché des transferts, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une offre aux enchères et c'est le joueur qui fera la meilleure offre qui gagnera la carte dans un certain timing. Soit vous faites une offre d'achat immédiat. Vous avez un prix d'achat immédiat dans chaque carte. Si vous souhaitez dépenser ce prix-là pour acquérir la carte sans risquer de voir cette carte vous passer sous le nez, et ben vous payez le prix achat immédiat et vous l'avez immédiatement. Comme sur eBay en fait. Et puis vous avez plusieurs modes de jeu. Vous avez le mode clash d'équipe, je l'ai évoqué en intro. C'est un mode de jeu où vous allez pouvoir confronter votre équipe aux autres équipes des utilisateurs, mais vous allez jouer contre l'IA. Donc c'est un mode de jeu uniquement contre l'IA. Et c'est intéressant de jouer aussi à ce mode de jeu, notamment si vous venez de PES, puisque ça va vous permettre de vous habituer au gameplay de FIFA, de FUT pardon, qui est un gameplay plus rapide que les autres modes de jeu de FIFA. Donc c'est bien pour vous mettre dans le bain. Et puis en plus, il y a des belles récompenses à gagner dans ce mode de jeu. Vous avez les matchs amicaux où vous allez pouvoir affronter l'équipe de vos amis. Vous avez le mode division rivale qui est le mode de jeu phare de FIFA Ultimate Team. C'est un mode de jeu où vous avez un système de division et vous allez affronter des joueurs de niveau similaire. Ça c'est très important. Dans
PES, vous pouvez avoir une note de 400 points, vous pouvez tomber contre un mec qui a 900 points, il va vous éclater la gueule. Là, dans Division Rivale, vous rencontrez que des joueurs qui ont à peu près votre niveau, et c'est très appréciable. C'est assez rare de se manger des grosses roustes, ou du moins on peut s'en manger une, mais après le match d'après, on sent qu'on a à peu près le même niveau. Donc si vous débutez sur FUT, vous n'allez pas tomber contre des très très gros joueurs, et ça c'est vrai que c'est très très cool. Et donc vous avez un système de promotion-relégation, un système de division, et donc pour pouvoir passer dans la division supérieure, il va falloir gagner un certain nombre de matchs. Vous pouvez aussi dans ce mode de jeu remporter des récompenses hebdomadaires spécifiques au mode de jeu division rivale. Si vous êtes très très chaud, vous avez le fameux mode FUT champion qui se déroule tous les week-ends, et là vous allez pouvoir affronter les tout meilleurs joueurs FIFA du monde. Donc c'est pas pour moi pour l'instant, on va se calmer. Et puis enfin vous avez le mode draft, qui est un mode de jeu très sympa. Vous allez pouvoir constituer votre équipe de 23 joueurs, et si vous gagnez 4 matchs de suite face à d'autres équipes draft, vous gagnez de très très grosses récompenses dans FUT. Enfin, je vous conseille de télécharger l'application Compagnon FUT 22. Vous allez pouvoir récupérer quelques petites récompenses, gérer votre équipe, gérer la tactique, regarder le marché des transferts, etc. Ça peut être sympa. Le tout, c'est de ne pas l'utiliser toute la journée, même au travail, parce que sinon, ça peut rendre fou. Donc, utilisez cette application avec parcimonie pendant votre pause, mais ne restez pas collé dessus non plus tout le temps. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo qui est très simple, hein. C'est vraiment le guide pour les noobs. Après, je regarderai plus tard pour d'autres contenus un petit peu plus spécifiques, certains conseils plus spécifiques pour bien évoluer dans ce mode FUT. Si vous n'avez pas fait l'acquisition de FIFA 22 ou que vous souhaitez acheter des points FIFA, je vous invite à le faire à partir du lien que j'ai mis en description, le lien Instant Gaming, puisque vous allez pouvoir acheter vos points FIFA un petit peu moins cher et votre jeu FIFA aussi un petit peu moins cher. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que la vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt. Salut!